Bonjour. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ. Pourquoi je vous fais un FAQ? Je suis complètement barrée parce que j'ai une voix complètement à la ramasse. Mais j'ai remarqué que sur le PC, enfin j'ai remarqué que globalement, je veux dire, quand vous regardez les vidéos, vous m'entendez pas avec ma voix que j'ai vraiment. Du coup, genre je veux vous faire de la peine mais j'arrive pas. Bref, du coup, le FAQ aujourd'hui va être un FAQ sur l'été. Je l'ai lancé il y a assez longtemps sur mon Instagram, mais je voulais pas le faire tout de suite et je me suis dit en fait si, pourquoi pas le faire maintenant? Alors j'ai eu plein de questions, j'ai rien sélectionné du tout, c'est-à-dire que là, je suis devant mon petit MacBook Air et je vais répondre à vos questions. Anna est à côté de moi, elle a le ok en plus de ça, elle est un petit peu gênée. J'espère que ça va bien se passer, on verra bien, de toute façon c'est les aléas de la vie, voilà. Si je me tourne comme ça, c'est parce que je regarde les questions. Première question, penses-tu amener Anna à la plage? Si oui, comment vas-tu t'organiser? Quelles sont les affaires d'été que tu vas acheter pour toi, ton chéri et bébé Anna? Comptes-tu amener Anna à la plage? Oui, ça a déjà été fait une fois parce que là on est au mois de mai. Mais franchement on a des jours quand même vachement potables. Donc je l'ai déjà emmenée à la mer. Par contre je lui ai pas mis les pieds dans le sable ni les pieds dans l'eau. Tout simplement parce qu'elle a les pieds encore fragiles et que je n'ai pas envie qu'elle attrape des microbes ou des champignons ou des trucs comme ça. Les affaires pour moi et Kevin, je n'ai pas commencé à acheter des affaires pour moi et Kevin, même s'il serait temps qu'on achète des vêtements d'été. Deuxième question. Alors, vas-tu en vacances avec bébé Anna? Oui! Alors pour moi, dès que je fais une sortie, je pars en vacances avec ma fille. Faut le savoir. Maintenant, oui, on part vraiment en vacances, c'est-à-dire dans un autre univers, au mois de septembre, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant bientôt. Troisième question, un haul lookbook spécial été pour vous trois. Alors au commencement de ma chaîne, il me semble que j'avais fait un lookbook pour bébé Anna. Je sais même pas s'il avait plu ou pas. Je pense que je vais en refaire un avec ses vêtements d'été parce qu'Anna a la dose de vêtements d'été. Donc je pense que oui, je pense que je vais faire un lookbook pour elle. Je devais en faire un pour moi. Maintenant pour ça, il faut que j'aille acheter des vêtements, tout simplement. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que je vais vous en faire un déjà pour Anna. Alors, si vous allez en vacances, vous irez dans un appartement, maison ou autre. Alors, cette année, si on part en vacances, déjà, on part en vacances, c'est sûr. Nous partons, alors, dans une maison, mais où il y a un appartement dedans. Il est fort possible qu'on soit dans cet appart, mais il est également fort possible qu'on soit dans la maison. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo de ce que tu mets dans ton sac pour aller à la plage? Bien sûr. Non, il n'y a aucun souci parce que je voulais trop vous le faire. Et bah, je vais vous le faire puisque vous me l'avez demandé. Voilà. Est-ce que tu pourras nous faire une morning routine spéciale été? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, du tout. Je ne sais pas, je suis dans le flou. Je sais pas. Si je pourrais en fait parce que on avait un petit truc, c'est qu'avec Kevin on aurait bien aimé si vous vloguiez vraiment tous les jours de nos vacances, mais genre vraiment tous les jours. Donc si en plus on doit filmer une morning routine, compliqué. Coucou ma belle, est-ce que tu as acheté des maillots de bain pour ta princesse? Bisous. Bien sûr, j'ai acheté pas mal de maillots de bain. 4. 5, 6. Non, elle doit en avoir 5, je trouve ça bien. Enfin, je veux dire, elle a 6 mois. C'est pas un truc de ouf. Même si, comment vous dire, là, ce qu'elle a maintenant, c'est pour maintenant. Là, quand on va partir en vacances, elle aura 10 mois. C'est-à-dire qu'on part au mois de septembre. Donc, il va falloir que je rachète des maillots de bain à sa taille. Forcément. Donc, après, je sais pas si j'en achèterai beaucoup. Mais moi, je suis pas trop linge et tout. Donc, pendant les vacances. Donc, je pense que je vais en acheter pas mal. Si ça peut répondre à ta question. Si tu vas à la plage, penses-tu mettre bébé Anna dans l'eau?
Bah, pas dans l'eau de la merde. Je pense que je vais lui mettre les pieds dans l'eau quand elle aura 10 mois, oui. Mais je vais surtout prendre genre une bébé piscine ou un petit truc pour lui mettre de l'eau. Et je pense pas que je vais la mettre à même la mer avec un mélange de sable et tout. Parce que pour la peau, c'est pas agréable. Louloute 6016, vas-tu faire un meet-up? Non! Non! Oh, j'aimerais tellement, mais en fait. Le truc, c'est qu'il me faut au moins 50 000 abonnés, quoi. Je dirais même 60 000 abonnés pour pouvoir faire un meet-up. Je veux bien, hein, mais franchement, partager ma chaîne et puis quand quoi, elle a fait un bruit trop chelou. Et quand j'aurai bah, le nombre d'abonnés correspondant, voilà. Du coup, tu pars où cet été? Est-ce que tu as prévu des activités spéciales pour Anna? Cet été, je pars, oui, je pars pas, enfin, je pars dans un autre pays, mais en activité spéciale, j'ai déjà réfléchi. Et le truc, c'est qu'Anna va avoir 10 mois, donc je peux pas lui faire de l'acrobranche ou des trucs de ouf, quoi. Enfin, 10 mois, voilà, je pense que moi et Kevin, on va surtout beaucoup visiter, se promener, et rien que se promener pour un bébé, c'est extrêmement fatigant, surtout qu'on va dans un pays très chaud. Voilà. Donc je pense, je sais pas trop comme activité à part piscine. Franchement, je sais pas trop. Alors, vas-tu aller en vacances avec Anna? Si oui, comment tu prévois ça? Comment je prévois ça? Bah, je pense que je vais vous faire une vidéo sur ce que j'emmène dans, enfin dans les valises. Faudrait que je m'organise pour vous faire ça. Je vais vous faire également. Je sais pas si je combinerai la même vidéo, une organisation. Je sais pas trop parce que. Je sais pas trop, je pense que je vais vous faire une même vidéo, l'organisation avant de partir en vacances, je pense. Ta crème solaire pour les vacances. La crème solaire pour les vacances. Pour l'instant, j'utilise la Uriage 50 plus bébé, qui marche extrêmement bien sur bébé Anna. Moi, j'ai été voir mon médecin et elle m'a dit pour là que, enfin, pour l'endroit où je vais, elle m'a dit qu'il n'y a pas besoin de crème spéciale, mis à part une crème pour les moustiques. Enfin voilà quoi, bien se protéger, tout ça, mais voilà quoi. Salut Andrea, ton maillot de bain préféré pour aller à la plage, une pièce ou deux pièces? Pour la plage, deux pièces. Pour la piscine, une pièce. Parce que même là, hein, quand on va au bébé nageur, je mets un maillot de bain, une pièce. Parce que j'estime que je vais à la piscine pour mon bébé et non pour moi. Tout simplement. Maintenant, quand je vais à la plage, bah, c'est pour bronzer, pour faire la belle et tout, les photos, machin. Comment tu vas faire pour partir en vacances avec un bébé gros bisou? Eh ben, je ne sais pas. Je vais me débrouiller. Ça va être ma première fois en famille, c'est-à-dire avec mon mari, moi et bébé. On part plus avec nos parents, plus rien. Maintenant, on est des grands et tout. C'est trop bien. Anna s'est-elle déjà baignée? Si oui, comment a-t-elle réagi? Bah, c'est simple, Anna, sa première baignade au bébé nageur. Elle devait rester 45 minutes maxi parce qu'elle a que 6 mois et après il s'énerve et tout. Anna est restée plus d'une heure dans l'eau. Voilà, jusqu'à qu'elle fasse ça, genre j'en ai marre et tout. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a plu. Anna vient de faire caca, ça empeste dans la maison. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, une grosse pensée à moi parce que je suis pas bien. J'ai trop mal à ma petite gorge, vraiment. À bientôt. N'hésitez surtout pas à partager ma chaîne, à liker ma vidéo, à commenter parce que j'adore quand il y a plein de commentaires. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.